Et coucou Fantasy! Coucou, comment ça va? J'espère que le micro il marche cette fois. Et oui, c'est du complètement improvisé, jusqu'à il y a encore 10 minutes, je savais pas que j'allais streamer. Donc voilà. Douleur un peu bâtarde, et le jour bâtard d'ailleurs aussi. Bon écoute, ouais ça va, j'ai passé la matinée, début d'après-midi dehors, c'était cool, il faisait beau, on est profité. Puis après j'étais là tout l'après-midi à me dire, je stream ou je stream pas? Oh flemme, puis finalement, oh, allez. Alors ce sera pas très très long ce soir parce que je vais pas faire streamer jusqu'à 23h, je me couche et puis je me relève pour aller streamer le lendemain quoi. Coucou Faust Van H, comment ça va chez toi? Purée, pourquoi j'ai froid aux doigts comme ça? Ah. Alors j'espère par contre qu'au niveau du son ça va parce que OBS il détecte vachement facilement le micro, je sais pas pourquoi. Donc d'habitude c'est plutôt l'inverse. Je suis pas centrée. Mais ouais, je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer le Mont Cristal que j'avais commencé hier soir donc... Sieste imprévue, je suis fracassée. Ah non mais les siestes, c'est la mort du sommeil. Hein. Le son, ça va? Ok, super. Moi, c'était quand? J'avais essayé de faire une sieste vendredi. Ça a échoué, comme d'habitude, parce que je peux pas dormir quand il fait jour. Mais je sais que si j'ai... quand je fais des trucs style nuit blanche, si j'ai le malheur de faire une sieste, c'est mort, quoi. Il vaut mieux que je tienne jusqu'à genre 8h du soir et que j'aille me coucher ensuite. Mais si je fais une sieste, là, mon sommeil, il est... À la fois où j'étais allée au... Il y a quelques années où j'étais allée aux États-Unis, alors que les 11-12 heures d'avion, puis alors avec le décalage horaire, plus on dort dans l'avion pendant une demi-heure par-ci par-là, le cou complètement cassé, ah c'était horrible. Après je mettais 10 jours à m'en remettre quoi, mais... Bah ouais. Ah bah c'est cool qu'il y a des gens, parce que moi je me suis dit, j'ai décidé il y a genre 10 minutes que allez je fais streamer, c'est limite, j'ai vaguement balancé ça sur Twitter, c'était... C'est longtemps que j'ai pas fait de nuit blanche. Je sais plus quand c'était... Alors, ouais, si, il y a des nuits blanches que je fais volontairement, il y a des insomnies, ça c'est encore... Les insomnies, c'est encore autre chose. Nuit blanche, si je fais ça, c'est genre en général pour le départ de NaNoWriMo, là, entre bah, le 31, enfin, le 1er novembre, où des fois on fait des soirées comme ça, et on... Bah, comme il faut... Le but, c'est d'écrire entre le 1er et le 30 novembre uniquement... On fait la soirée, et puis après, à minuit et 30 secondes, on commence à écrire, et là, en général, je dors pas, quoi. J'avais fait des soirées comme ça à Paris aussi, il y a quelques années. Et alors, en plus, comme j'étais très conne, bah, je rentrais chez moi à 10h du matin en bagnole, hein. Donc, c'était cool. Coucou DeadGame23, comment ça va chez toi? Je suis désolée, j'ai froid aux doigts, j'ai les doigts complètement gelés, je n'ai aucune idée pourquoi. Je vous promets, je suis pas en train de faire la mouche. Je ne me suis pas transformée en Sly. Bah ouais, ouais, moi je vais lancer un peu de Hollow Knight. Bah non, si j'ai des gants, après j'aurai du mal à jouer. Et puis si j'ai des mitaines, de toute façon le bout des doigts il reste dehors. T'es plus trop à jour sur le planning, c'est pas grave, c'est un stream complètement improvisé. Donc normalement je suis pas censée streamer le samedi. C'est juste que là j'avais une opportunité, je me suis dit allez finalement j'ai envie quoi. Donc j'ai décidé de le faire. Mais normalement mon planning ça reste bien les mardis, vendredi soir et le dimanche matin. Donc... Je te rassure, tu n'as pas raté de changement de planning programmé ou quoi que ce soit. Là, c'est juste moi qui ai fait ça. Donc ouais, je vais me lancer le jeu, tout tranquille. J'ai envie de jouer. Je sais pas si ça va être très long, hein. C'est possible que je stream que pendant 1 heure ou 2 heures maximum. Et donc là, je vais reprendre ma deuxième partie. J'étais au Mont Cristal. Et je vais quand même essayer de récupérer le cristal d'âge que je me suis fait un petit peu avoir hier soir où ouais je vais aller récupérer le charme machin chose et puis j'arrive et je me fais il est où mon cristal d'âge, pourquoi ça marche pas, et là je me rappelle que j'avais oublié de finir le mont cristal donc je n'avais pas le dash et j'ai eu l'air très très bête. Non mais attendez, non, il faut pas que je lance ma première sauvegarde, il faut que je lance celle-là. Vous voyez ces 632 géo que je vais sans doute perdre parce que je vais crever dans les plateformes. Puisque... Forcément. Alors, que je me rappelle, normalement... Il faut que je fasse la section... pas du haut, mais... La section là, où il y a un... Qui n'est pas faite sur la carte. Et après, je pourrais aller chercher le charme qui se trouve dans les picots, là-bas. Sur la gauche. Donc, bah, je crois que j'étais partie pour ça, hein. Donc il faut que je descende. Et je suis triste parce que j'ai dézingué un petit réservoir d'âme en la personne d'un œuf. Je t'ai pas encore passé là, moi?
Ah ouais. Et puis du coup, grand malheur, grande tristesse. Ce serait peut-être mieux si je passais comme ça. C'est pas là que je dois aller. C'est pas là que je dois aller non plus, mais c'est pas grave. Ah, quoique si. Ah bah toi, tu vas être parfait, là. Je vais pouvoir te taper les fesses. Allez, viens. Tourne-toi. Voilà. Donc, cette partie, il faut que je la débloque. Donc, je pense qu'il faut que j'aille par là. Ce qui me rappelle aussi que je n'ai pas... J'ai pas fait les espèces de... comment il s'appelle? Bon, j'ai l'air un peu bête. Du coup... En fait, c'était là que je voulais aller. Ouais, c'est ça que j'ai pas fait. Je vais essayer de pas me faire buter bêtement. Elle. J'ai pas fait mon dash. Ah bah non, j'ai pas fait mon dash. Mon boss préféré, je sais pas. J'avais bien aimé le vaisseau corrompu, mais c'est plus parce que j'ai envie de lui faire des gros câlins. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y avait ici? Y a pas quelque chose ici? D'accord. Il y a de la moulasse. Voilà. C'est qu'ils lancent loin, eux. Vous allez rire, mais je vais quand même pas me faire crever, là. Non, mais où? Autrement, je sais pas trop quel est mon boss préféré, c'est vrai. Celui-là, j'aimerais bien arriver à lui péter la mouille. Mais malheureusement, ça ne marche pas bien. Et ça m'embête parce que j'aimerais bien avoir un petit peu d'âme en stock et surtout pas commencer avec que 4 points de vie, c'est un peu nul. C'était pas de la thune ça, non? Ah non, j'ai toujours pas vu, je sais toujours pas ce que c'est. Donc ne me spoil pas, merci. Je pense que c'est un truc que je vais avoir au Panthéon parce que... Mais comment, j'ai fini que le premier Panthéon, forcément. Demain, si tout va bien, je continue le deuxième. Mais... Bah comme dit, faut pas être pressé avec moi, hein. C'est je prends mon temps dans le jeu, puisque le jeu est très bien. Et que j'aime bien prendre mon temps, voilà. Allez, on va se charger un petit peu. J'aurais assez dommage que j'ai pas encore vu, que j'ai pas encore ce... Que je n'ai plus, pardon. Ah, ce truc d'œuf pourri qui était bien pratique. Donc, ouais, bah oui, parce qu'il faut que je débloque la partie. Il faut que je débloque cette partie, donc je pense qu'effectivement, il faut que j'aille en bas. Hein. J'ai pas le choix. Je pense que c'est le chemin. J'ai l'air très bête comme ça. Donc, on est d'accord, faut que je me rappelle quel est le dash. Mais non, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais contre, hein. Je déteste ces trucs. C'est vraiment un coup à crever parce que j'ai absolument aucun timing. Mais non! Mais attendez, je suis pas censée. Normalement, je peux. Voilà. Bien sûr que non. Bah, je pense que je vais crever ici, hein, comme d'hab. Je déteste ces passages. Ils sont pas si difficiles, mais je passe quand même mon temps à me faire buter. Bon, bah écoutez, on va se faire tuer, et puis on va revenir, hein. Pour pas changer. Je sais pas. Un live sur Minecraft, je fais une maison avec des champs, tout ça, ben... Pff,
Pour l'instant, j'ai pas trop envie de faire du Minecraft. Le jour où j'ai de nouveau envie, on en reparle. Mais là, j'avoue que... Pour l'instant, c'est un petit peu bof, on va dire. Je vais essayer de pas me faire buter. Bah bravo. Je savais que j'allais me faire crever pour des conneries. Je suis où maintenant? Bah évidemment, je suis près de l'autre banc. Bah, on va y retourner, hein. J'ai prévu de perdre mes 600 balles, de toute façon, donc un peu plus ou un peu moins. C'est... Alors... Bon bah, faut que je repasse les... Coucou, au revoir, merci, 78, j'adore ton pseudo. Il est génial. J'adore. Mais c'est pas vrai là. J'en ai marre. Mais j'ai pas pris ça moi. Mais je vais vraiment me refaire crever en vrai, hein. C'est pas possible. Pourtant, je l'ai déjà fait ce platforming, hein. En même temps, j'avais pas pris d'âme. C'est peut-être pour ça aussi, ça m'a pas aidé. Allez, viens là. Tout ce que je veux, c'est ton âme. Que je puisse me soigner. Bon, normalement, là, il va respawn si je change de zone. Ah, là, il y a un truc que j'ai pas fait. C'est pas là où j'étais avant, on est d'accord, hein. Non, c'est pas là que j'étais. Il faut que je le fasse, mais... Nao, la démon, comment ça? Ah oui, pour prendre son âme. Viens là. Vends-moi ton âme. Ou plutôt, non, tu vas me la donner à la force de l'épée, parce que... Non, mais oh, hein. Ah ben, écoutez, je fais juste un stock, hein, je me connais. Ça m'embête un peu de faire ce genre de technique, j'avais espéré aller plus vite, mais... C'est pas grave. D'un autre côté, ici, c'est le stream du slow run. Il faut être honnête. J'avais mis quoi, 76 heures pour arriver sur le Hollow Knight la première fois, et c'était juste la première fin, hein. Voilà, donc c'est là que je dois aller. On va essayer de pas mourir. Ok. Bah bien sûr. Je le savais. Je savais que j'étais partie trop tôt. Ok. Je le savais. À chaque fois je le sais et je pars quand même. Avant de dash. Ouais, c'est... Mais là, je suis partie trop tôt avec mon dash, surtout, en fait. C'est ici que je suis partie trop tôt. Il faut que je parte quand le piston... Il faut que je parte avant qu'il remonte. Alors... Fasse gaffe. Je vais crever, je vais perdre ma thune. Limite, je préférais encore, comme ça au moins c'est fait. Ouais, j'ai la lanterne. Ça au moins c'est un truc de fait. Non, pas dans le bon sens. Celui-là où je me suis fait bêtement avoir. Voilà. On va d'abord récupérer Batman. Je sais pas où il est. Il est là. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait des mineurs? Je sais plus ce qu'il y avait ici.
toi tu vas mourir. Et puis toi aussi. Voilà. En vrai, je vais peut-être aller récupérer l'autre banc, hein. Qu'est-ce qu'on en dit? Je déteste ces mobs. Je les déteste véritablement. Donc, il faut que j'ouvre la plateforme. Pardon, la partie où il y a les pistons. Donc, j'ai débloqué le premier levier. Et maintenant, il faut que je débloque l'autre partie. En vrai, je suis même pas entièrement sûre que c'est ça que je dois faire. Je me souviens plus du tout. Bah bon, c'est pas grave. Voilà. Donc toi, une bonne chose de faite. C'était pas du tout là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Mais non ! Mais saute ! Voilà. On est d'accord que je venais de là-haut, hein. Et pas d'ailleurs. Voilà. Donc c'était là que j'allais... T'as fait une petite survie sur Minecraft, j'ai aussi fait une petite maison. Bon, en général c'est des grandes maisons que je fais sur Minecraft, non ça j'avais ouvert. Mais genre vraiment des constructions qui me prennent des plombes quoi. Bah, bien sûr. Tout ça pour... Bah non en fait c'est même pas là que je dois aller au final, mais c'est pas grave. Voilà. Cette partie, c'est au final la plus embêtante. Autant ça va tout arrêter, on est d'accord. Et je devrais pouvoir monter, j'espère. Est-ce que j'irai pas essayer de me chercher ça, moi ? Alors, ma perception de la profondeur, c'est comme d'habitude de la daube. Mais genre grave, quoi. Bon, c'est pas grave. Moi, je voulais juste la moulasse. Voilà. Ah, il y en a encore ici. Ils sont combien? Ils sont combien? Cassez-vous! Et on avait dit que j'allais en haut. Et normalement, j'espère que c'est bien là que c'est ouvert. Non? Mais comment j'allais par là, moi? Par où il fallait que j'aille? Si c'est pas par ici. Ça j'ai ouvert. D'accord. Je pense que c'est là-haut. Mais je suis complètement perdue. Je suis absolument complètement perdue. C'est génial. C'est génial en fait parce que je redécouvre le jeu. Et du coup, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est je refais le jeu. Ouais, c'est ça qu'il faut que j'ouvre. J'imagine. Celui-là, celui-là. Et... On va se charger encore un peu. Hop. Bon. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Donc ceux-là, ils se sont bien arrêtés. Ça, j'avais bien ouvert. Là-haut, j'étais passée. Mais alors, par où il fallait que j'aille en haut? L'espèce de puits à gauche, j'y suis allée aussi.
le truc à côté du banc en haut, je ne peux pas y aller parce que j'ai pas encore le double saut. J'ai dû oublier une partie quelque part. Bah non, ça j'avais fait. Ça j'avais fait aussi. Je pense que là, il n'y a plus rien à nettoyer. Ça c'est la partie, il me faut de toute façon le dash cristal. Ah, n'empêche, les pistons, ils font du bien quand ils s'arrêtent. Hein. Ben, on va repartir en quête de je ne sais trop quoi. Hein. Je vais essayer par le haut parce qu'il doit y avoir un truc que j'ai pas encore fait. Et là, pour le coup, à part par le haut, je vois effectivement pas. Ah, c'était là qu'il y avait... C'est pas très loin qu'il y avait l'œuf que j'ai pété. Sniff. Quelle tristesse. Bon bah. Donc ceci est le stream où même avec une carte on se perd. C'est absolument magnifique. Bon bah on va monter hein. Oula, j'ai eu de la chatte là. Ouais. Là où il y avait Quirrell, lui je l'ai déjà vu. Donc normalement il est parti. Ah non, il est encore là. Ok. Ceci n'est pas un banc. Je répète, ceci n'est pas un banc. Ça c'est la partie qui tombe depuis le haut. Non mais sérieusement, mais je sais pas où je dois aller. Là, c'est pour monter, mais je vais pas le faire tout de suite parce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Puis j'ai la flemme. Eux, ils commencent vraiment à me saouler. Hein. T'es encore là, toi? Ah non, mais je suis nulle. Pourquoi j'ai... pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça, moi? Bon, bah, on va aller buter l'autre machin, hein. Faut vraiment que je retrouve mon chemin un jour, ça pourrait quand même être vachement utile. Just saying. Bon, bah, on va l'attendre, hein. À Noël, je suis partie avec mon père chercher une bûche de Noël. On l'a achetée, puis à la maison, on allait le manger. Je sais, là, c'est qu'une bûche. Quoi? Ah, je suis pas sûre d'avoir compris, là. Je suis pas sûre, désolée. Enfin, si, je sais ce que c'est qu'une bûche de Noël, mais... Je sais pas si c'était en rapport avec Minecraft, pour le coup. J'étais pas sûre. Bon, on va se recharger encore un peu, hein, comme d'hab. Puis encore un dernier petit coup, là, tranquillou. Mais si c'est pas par en haut, alors c'est par où? Si c'est... Ouais. Ouais, écoutez, je vais continuer encore par là. Au pire, je retomberai là où j'étais avant et je redescendrai pour voir ce qui se passe. Ce sera pas plus compliqué que ça. Bon, en bas, va y avoir de la daube, donc on va pas y aller. Là, faut que je fasse très 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 attention. Ok, d'accord. Je pense que j'ai retrouvé mon chemin, donc déjà c'est bien. Donc a priori, on est d'accord. Ok. Voilà, toi pour la forme, tu vas partir. Ouais, ça a l'air d'être par là.
faut pas faire. Hein. Tout ça pour ouvrir un petit chemin. Voilà, je savais que j'étais pas très loin du truc. Comme ça, au moins, ça c'est bon. Et après, je sais par où remonter une fois que j'aurai crevé. Je sais, j'ai trop confiance en moi, c'est absolument terrible. Ouais, c'est bien par là. Oh bah maintenant c'est avec le platforming de ces morts, hein, pour pas changer. Il y a une larve, mais je crois que je peux pas encore l'atteindre, si. Ah. Avec le cristal d'âge, ouais, ok. Alors, ce qu'on va faire... Je suis où? On va se mettre un petit marqueur pour la larve. Et j'espère que je me souviendrai de ce que c'est. Ok. D'accord, donc ça c'est les vieux lasers. J'aime bien la musique qui s'accélère tout doucement là pour la partie parcours. Alors. Je crois que j'ai un moment de creux entre les deux. Voilà. Ah! Je suis partie trop tôt! Quelle nouille! Ok. Il faut vraiment que je me souvienne du truc. Ok. Bon, alors désolé, je vais essayer de me concentrer. Voilà, j'ai eu des bols. Ça va. Ouf. Tout va bien. Juste que... D'accord, ouais. Ah bah non, c'est bon. Ouh, bah dis donc, ça va. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Creuser. Ça, c'est du dialogue. Soulever, creuser, écraser, obéir, creuser, écraser, lâcher. Waouh! Ce truc a une vie absolument passionnante. Ok. Bon, ben. On va voler le cœur de cristal. Hein. Ah, j'adore ce skill. Rue est puissante. Ah oui, c'est vrai que ça s'appelle comme ça. Moi, j'appelle ça Cristal Dash, hein, parce que rue est puissante. Prout. Ne surtout pas interrompre la rue est puissante. Ah, de la thune. Ah. Dire que je l'avais raté tout à l'heure. Ok, moi, ce que je vais faire, je vais aller faire des courses. Parce que il faut que je rachète des charmes. Donc je pense qu'en vrai on va aller faire ça et... Ensuite... Je suis pas un peu haute là? En fait c'est débile. C'est par là qu'il faut que je passe, c'est plus simple. Ouais. Quasiment 1000 balles, ouais je peux aller me permettre de dépenser ça. J'ai des trucs à acheter chez Sly, il faut que je ramène sa clé. Donc ce qu'on va faire, je vais descendre récupérer le charme qui est là, je vais dépenser ma thune, et ensuite normalement on va pouvoir passer à la butte cristallisée. Bon. Voilà, ça marche mieux comme ça. Non, c'est encore en bas qu'il faut que j'aille. C'est encore en bas. Là-bas, ça va chez Cornifère, et moi je voulais surtout aller ici.
Mais non. Mais... C'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien, c'est promis. C'est donc là. Voilà. Alors, là, faut que je fasse super attention. Ce serait bête de mourir. Mais non! Mais... Je vais quand même pas crever là-dessus. Comment je faisais pour passer? Comment je faisais pour passer de nouveau? Faut que je saute et que je dash. Voilà. Je me disais bien. Bon, évidemment, il n'y aura pas de raccourci. Hein. Ah, quoique. Alors, c'est quoi l'ordre? C'est ça. Et s'il y a un raccourci, tout va bien. Ah, c'est trop beau ici. C'est absolument magnifique. Donc ça, normalement, c'est le canaliser le... Ouais. Canalisation intense. Yes. Que je vais pas utiliser. Parce que j'ai le temps de mourir de vieillesse avant qu'il marche, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même bien de l'avoir pour certains trucs où on a le temps de se soigner. Voilà. Merci pour le tapis roulant qui... Qui me fait un petit raccourci pour que j'ai pas à tout me retaper depuis le début. Je suis contente. Voilà, donc maintenant, je vais dire où est-ce que j'ai récolté de la thune, mais... Je suis vraiment obligée de passer par là, non? Ouais, je suis vraiment obligée de passer par là. On va essayer... Voilà. Bon, c'est pas grave. Et Cornifère qui est rentré chez lui, évidemment, parce que, ben, il n'y a plus rien à faire ici. Bon, ben, nous aussi, du coup, on rentre, hein. J'ai failli me faire avoir là. J'ai failli oublier ce moment. Et celui-là aussi, il va falloir que je fasse attention. Ah, je prends des pointes. Eh ouais, bravo. Bravo. En fait, j'ai les mains moites, ça aide pas. Maintenant, j'ai plus froid au moins, par contre. Hein. Ça, y a pas à dire. C'est au moins un truc qui est à peu près assuré. Vous la sentez comme la tension de me promener avec deux masques alors que je suis la première à dire qu'il faut jamais faire ça. Je devrais vraiment toujours faire des réserves d'âme. Voilà, là, ça devrait être bon. Ça aussi, j'avais oublié. Ah, le cristal d'âge. Ah, bah, je peux aller parler au fossoyeur, non? Est-ce que j'étais déjà allé y parler, lui? Bah, non. Eh, on voici un autre brandissant un aiguillon. Je suppose que vous allez laisser beaucoup de cadavres dans votre sillage. Si vous n'avez pas la moindre compassion pour les morts, pourriez-vous au moins considérer tout le travail supplémentaire que vous imposez à ceux de ma profession? Ouais. Bon, t'as de la chance, je vais éviter de te buter, mec. Et vous savez quoi? Je suis pas allée chercher Bertha... Bretta, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Qu'est-ce que tu me racontes, le vieux... Non, non, non. Tout gros,
Le marchand est revenu. Ah oui, ça fait longtemps que je lui ai pas, parlé à lui. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Oui, j'ai trouvé la clé de ton cellier, Sly. Tu l'as trouvée dans les vieilles mines. Cela est très curieux. Je ne sais pas comment elle a fini dans un endroit si éloigné. Bah en fait, moi non plus. Je sais pas en fait pourquoi la clé était dans son cellier. Ah, j'ai pas l'argent pour tout. C'est pas cela que je voulais. Mais déjà, on va prendre un éclat de masque. Et il en manque un. Non, lui, il en a plus du coup. Il en a pas un autre à 1500 boules? Ah si, il a celui-là à 800. Ok. Et ben, on va faire un petit tour chez Salubra, voir ce qu'elle a pour 500 balles. Et en vrai, je me demande si j'irai pas essayer le Malek tant que j'y suis. Je suis pas très très loin. Je sais que j'étais partie pour mon cristal. Je vais y retourner. C'est promis, je vais y retourner. Histoire de terminer la zone. Mais je vais juste voir ce que Salubra a pour moi. Sans doute pas grand chose hein, pour ce prix-là. Et déjà pas, certainement pas un emplacement de masque en plus. Mais bon, on peut toujours rêver, hein. Vous savez quoi, j'ai pas d'âme, donc on va en récupérer. Vous avez vu la maman aspide là qui... Ah non, c'est un aspide tout court, c'est pas une maman. Les aspides domestiques. Qui, contrairement aux aspides sauvages, on peut encore en faire quelque chose. Et ce qu'il me faudrait aussi, c'est un minerai pâle. Je sais plus où je peux en trouver un, mais ce serait bien. Ce serait bien que j'en ai un à l'occasion quand même. Cœur sans vie, longue lame, pierre du chaman. Celui-là, il est bien. Non, sérieux. Et ça, il me faut 18 charmes. Ah, voilà, canalisation rapide, c'est elle qui l'a. Donc ça, faudra que je me rappelle d'aller chez elle. Bon, allez. Je vais aller tuer 2-3 petits machins là dehors. Et puis, comme ça, j'aurai mes 300 balles, normalement. Oh non, il m'en donne... Mais non, mais c'est nul! Donne-moi quelque chose! J'aurais pu les faire au spawn. J'aurais pu les faire au spawn sur le banc, c'est vrai. Voilà. Ça, je vais juste aller récupérer le machin qui coûtait 300 balles. Et j'irai bien me tenter le Malek. Je pense que je vais me faire tuer comme une grosse bouse. Mais c'est pas grave. Allez. Donne-moi ton charme à... 300 balles. Ok, le petit défi, parce que la seule autre fois où j'avais fait le Malek, c'était avec du stuff endgame. Et en plus, je l'avais fait offline. Et puis bon, voilà quoi. C'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. Mais je l'ai pas fait celui-là des routes en début de jeu comme ça. Donc bon, ça va sans doute mal se passer parce que... Y'a pas un truc que j'avais oublié là-bas? Coucou, coucou Chupa. Je parais plus grande que d'habitude, c'est-à-dire en taille ou en largeur? Est-ce que j'ai peut-être approché la caméra? De manière générale. J'ai peut-être réorienté la caméra. C'est possible que ouais, du coup, je l'ai bougé tout à l'heure et je l'ai peut-être rapproché. J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai oublié ici, là où il y a les gaumes. Je me souviens vaguement de quelque chose qui brillait et que j'étais pas allée chercher. Là, j'étais allée le chercher, c'était pas ça. C'est où qu'il y a les gaumes?
C'est en haut. Peut-être lié au passage d'un 15 ou 17 pouces à 24 pouces. C'est vrai que ça pourrait faire une petite différence, mais je suis pas sûre. Alors, Chuba, dis-nous tout. Comment il est le nouveau PC? Comment il est? On veut tout savoir. On veut tout savoir sur le nouveau PC. Eh mais vous avez vu, c'est un Aspid qui m'a pas laté les burnes. Le téléchargement RAM pour le moment. Ah, c'est pas ce qu'on attend d'un nouveau PC. Voilà. Je pense que c'est là que j'avais pas pu aller. Encore que. Je sais plus du tout. Mais non, c'était pas là. Steam télécharge entre 5 et 10. Kilobits, ah ouais, effectivement, c'est un petit peu moisi, on va dire. J'essaye vraiment juste de me rappeler ce que je faisais. Hein. Enfin, ce que je cherchais. Je sais qu'il y a un éclat de masque chez le Malek. Mais il me semble qu'il y en a un autre ici. Est-ce que c'est pas du côté de la source? Qu'est-ce que je fais, moi? Mais OBS, reviens. Ne te cache pas. Est-ce que le PC charge aussi des mises à jour en même temps? Ah, c'est pas impossible. Puisque si tu étais en train de tout installer, il doit y avoir, ouais, mise à jour antivirus, des trucs comme ça. Donc plein de bidules. Voilà. C'est là. Vous entendez ce petit bruit? Il y a quelque chose là-haut. Il y a ça. Comment est-ce que j'y accède? C'est pas le truc du Malek, en fait. Non, c'est par là-haut. Ok. Ok, faut que je passe par là-haut. Non, c'est bon, c'est bien par là que je vais aller. Hein. Ok. Bah, on va essayer de pas mourir. Hein. C'est vrai qu'avec le cristal d'âge, c'est cool. Voilà. Ah, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce chemin moisi, là? C'est un petit goût du palais, un petit avant-goût du palais de cristal, hein. Du palais blanc, pardon. Yes, un sixième masque. Voilà, ça va faire du bien. Parce que je me suis quand même promenée à Nid Profond avec que 5 masques et c'était un peu... ça piquait un petit peu. Ouais, allez, je vais tenter le Malek et je retournerai mon cristal après. Je pense que je vais me faire maraver quelques temps. Mais c'est pas là que je veux aller. Voilà. On va passer à la sous-source. Oh! Comme ils s'interrompent de parler quand j'arrive là. C'est pas des mecs du Colisée, ça? Voilà un faible de plus, je lui suggérerais de mettre son aiguillon à l'épreuve dans le Colisée, mais il se ferait réduire en poussière en un instant. Vous savez ce qu'il vous dit, le faible? Ils sont vexants, hein. Ils sont vexants à se taire dès que vous entrez dans l'eau. On se sent presque insulté. Mais bon, presque, parce qu'en fait, on s'en fout. Donc, Malek le pessimiste, qu'est-ce qu'elle pue cette traduction? Où est-ce qu'il y a un banc ici? Ah non, c'est le banc qui est chez la chamane. Oh non, il faut que je remonte par partout parce que j'ai pas encore ouvert. Ok. Bon, bah on repart pour le génocide. Hein.
Ce petit chevalier est décidément fort cruel. Je crois que c'est par là. Hein. Est-ce que j'avais pas mis... Ah bah si, j'ai mis le charme du roc solide, c'est bien ce qui me semblait, je bouge pas. C'est cool. Bravo. C'est pas comme si je le savais qu'il y avait un picot qui tombait. Hein. Non, non, je le savais pas du tout. Je suis jamais passée par là, du tout. Ok. Bon, ben... Malek. Y'a quoi ici? Ah, y'a rien. C'est plateforme. Pom, pom, pom. Et je crois qu'il y a un totem d'âme là-haut. Ouais. Me semble. Je vais juste, pareil, ouvrir le raccourci. Enfin, le raccourci... C'est-à-dire chercher la tunasse. Et puis, ben, go Malek, hein. Je pense que je vais me faire maraver. Parce que déjà au Panthéon, il m'a fallu plusieurs tentatives avant d'y arriver, donc... C'est donc pour cela que j'avais sauvegardé au banc. En vrai, j'aurais dû sauvegarder au banc de la chamane, mais tant pis. Mais non! On va essayer de se soigner, à mon avis ça va pas marcher. Évidemment. On va essayer là. Non! Ah si, c'est bon! J'ai rien dit. Non! Quelle nouille! Ok. Faut vraiment que je fasse gaffe. Pas si difficile, mais il faut vraiment que je fasse gaffe. Merde. Eh ben voilà, voilà. J'ai fait de la merde. Désolée, c'était pourtant bien parti, mais j'ai fait de la merde. Mais je pense qu'il devait être pas loin de la fin. J'aurais juste dû partir dans l'autre sens, et non pas dans ce sens. Du coup, j'irais peut-être bien sauvegarder chez la chamane, tant qu'à faire. Même si en vrai, est-ce que c'est vraiment tellement... Tellement plus proche, ouais, un peu quand même. On va quand même aller voir, je crois que c'est par là. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a les sources. Bon, allez. Je sais vraiment pas si c'est tellement plus proche. Hein. Mais alors, vraiment pas du tout. Bon. Juste pour le fun. C'est vrai que maintenant je peux utiliser ça. Vive le cristal d'âge. C'est dommage juste qu'on n'arrive pas à ouvrir ce passage avant de devoir aller de l'autre côté. Allez. Ah ah ah. C'est par là, hein. Ouais, il me semble. Vous pouvez y voir un petit picot, normalement. Ok, ça c'est fait. Totem d'âme, c'est pas la peine parce que j'ai... Ouais.
Mais non! Bon bah si, on va aller prendre le totem d'âme finalement. Hein. Ce sera peut-être pas une mauvaise chose. Voilà. Ah bah c'est pas la forme ce soir. Hein. Mais c'est pas grave. Comme dit, dans le pire des cas, j'ai pas grand chose à perdre. J'ai... Oh là là, j'ai 12 géos, comme c'est magique. Comme c'est trop beau. Allez Batman. Viens là. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je le frappe 3 fois parce que j'ai un masque en plus. La première fois, j'avais même pas compris que c'était lié au nombre de masques. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut que... Pourquoi il faut que je le frappe plus? C'est triste. Mais en fait, c'est normal, c'est parce que je suis plus fort. Enfin, sur le papier, hein, parce que vu que c'est moi qui suis aux commandes, forcément... on voit pas la différence parfois. Bon, Malek. En vrai, je devrais dire Maulek, mais bon. Mais non. Bien sûr. Comment perdre bêtement un soin? Mais non! Chaque fois, je me fais avoir. Faut juste que je fasse gaffe à son espèce de pince là qui... Voilà, ce petit coup de pince là comme ça, l'air de rien. Ok. Il y a de quoi faire des soins, mais faut vraiment se faire gaffe. Là, sûr que non. Ouais, donc là, ça couvrait tout. Ok. Mais non, 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 qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis nulle? Voilà. Je vais arriver à en caser qu'un, de toute façon. Oula, je sais pas comment j'ai fait, là, mais... Mais non! Là, je vais rater mon coup. Ah non, même pas. Ok. Je sais que j'ai 4 masques, ça pourrait être pire, mais... Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est quand je fais de la merde. Ok. J'ai réussi à temps. Là, non, j'ai pas réussi. Ok. Ok, désolé, hein. Je suis assez concentrée, comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai pas envie de me retaper ce truc 50 millions de fois, hein, faut dire ce qu'il y a. Ok. Là, je peux me soigner. Mais non! Pourquoi je suis nulle? Pourquoi je me fais toucher comme ça, bêtement? Bon. J'ai pas réussi à le frapper, mais c'est pas grave. Oh! Je l'ai eu! Yes! Il m'a fallu que 2 essais! Voilà. Youhou! Merci Chuba! Ah, c'était pas garanti que j'y arrive en seulement au deuxième coup, hein, parce que même bien que j'ai déjà battu ce mob, c'est jamais une garantie avec moi. Mais je suis contente car ceci est fait. Donc maintenant j'entame mon 7e masque.
Croyez que j'arrive à faire 100 balles pour aller acheter des trucs chez Griselda. Iselda ? Pourquoi je l'appelle Griselda, moi ? Waouh ! Je sais que j'ai upgradé mon aiguillon, mais... ça faisait mal, là. Ouais, pour streamer, j'utilise OBS. Oui. Au début, j'utilisais Streamlabs, OBS. Et là, maintenant, je suis passée sur OBS. Pour notamment pour les plugins. Hein. Mais après, si ça t'intéresse, toi, de streamer... Streamlabs OBS, il est bien pour commencer peinard. T'as pas grand-chose à faire. C'est assez facile à mettre en place. Il y a des overlays gratuits. Alors oui, moi je les trouve pas terribles, mais enfin bon, en même temps c'est gratuit, hein, voilà. On va pas non plus faire la fine bouche. Mais pour commencer rapidement, c'est pas mal, quoi. Ah, t'as augmenté ta vitesse de connexion, tu as 500 kilobits. Bon, ça, a priori, c'est pas la faute du PC, hein, c'est... ça va être le... ta connexion. Voilà, on va récupérer ça tant qu'on y est. Ah, toujours une merdouille à vendre. Et je suis toujours pas allé chercher Bretta. Peut-être essayer d'y aller. Je devrais avoir... Ah bah ouais, vous savez quoi, on va aller chez Bretta. Je sais que j'avais dit que j'irais au Mont Cristal, mais... Là, t'es censé être en fibre. Oui, effectivement, c'est un peu un souci, quoi. Est-ce que t'as le même problème? Est-ce que c'est juste ton PC? Ou est-ce que t'as le même souci, genre, sur ton téléphone, si tu te connectes en Wi-Fi sur ton routeur? Et puis, est-ce que t'as beaucoup de téléchargements qui tournent? Genre, est-ce que t'es en train de télécharger tous tes jeux Steam en même temps, ou des trucs comme ça? Je sais pas comment voir la vitesse. Ah ouais, ou après t'as des tests, comment c'est les trucs de speed test? T'as mis que un jeu Steam. Ah ouais, bah attends, le truc, ta vitesse de connexion, tu vois ça sur Steam? Est-ce que c'est là que ça te dit 500 kilobits? Parce que si... ouais, ça peut aussi être les jeux Steam. Essaye éventuellement, va sur speedtest.org et tu fais un test. Parce que moi j'ai déjà eu ça aussi sur Steam, c'était hyper lent et c'est juste leur serveur qui était saturé. Alors le reste de ma connexion était tout à fait ok, quoi. J'avais dit que je voulais aller chez Bretta. Avant d'oublier, c'est surtout que j'ai envie de lire la fanfic qu'elle écrit. Je la connais par cœur, mais... qu'est-ce qui est le mieux ici? Je me tâte station de la reine. Et je prends le raccourci jusque chez les mantes. Non, c'est un peu plus court si... Ah non, c'est pas plus court si je passe par les entrepôts. Hein. On va passer par la station de la reine. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que j'ai absolument pas optimisé cette deuxième run, vu que c'est pas un speedrun ou quoi que ce soit. Et c'est bien parce que j'ai l'impression de redécouvrir. Ça doit être Steam en PLS avec les soldes. Ouais, 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 c'est fort possible. C'est même fort probable d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Ça, j'avais récupéré. Hein. Ouais, j'avais récupéré. Doup, doup, doup. Allez, go, Bretta. Normalement, là, j'ai ce qu'il faut pour y aller. D'ailleurs, j'aurais même pu y aller avant le Crystal Dash, en vrai. Bah, bon. Prout. M'affiche minimum 200... Ah, sur 200 mégas sur le speed test. Ouais, ça, c'est déjà un peu plus approprié pour... Bonjour, je cours dans les champignons parce que j'ai oublié qu'ils existaient. Et c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Genre, c'était pas du tout là-bas qu'il fallait que j'aille. Marf. Ah si, c'est par là. Mais je fais de la merde, moi. Je fais de la merde, je dis de la merde. Ah non! Ah si, non, c'est bon, ouf. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas ouvert le raccourci. Ah, un instant, je me suis fait peur. Bon, ben... Go, le banc des mantes. Ouais, ça va, le speed test à 200 MB, c'est déjà un petit peu plus acceptable. Bon.
Est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est de l'autre côté? Je connais toujours pas cette carte par cœur. Non, c'est bien par là. Pompolum. Je suis le tueur de champignons. Pourquoi il y a un champignon crevé là? C'est moi qui ai fait ça? Est-ce moi qui ai tué le petit champignon? Tristesse. C'est absolument pas là que je voulais aller. C'est pas grave. Voilà. Bah alors du coup Chuba, tu vas streamer aussi? Je sais plus si t'en avais parlé, j'avoue que j'ai peut-être oublié. Si c'est le cas, je suis désolée. Bonjour mon ami Lamante. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, cela va très bien. Officiellement ou réellement? Les deux. Voilà, on va essayer d'aider la miss. Officiellement, j'ai rien dit sur ce projet. Ah non, mais c'est peut-être moi qui confond complètement. Ça se trouve, j'ai confondu avec Fantasy qui avait dit que il y a quelques mois que ouais, je veux streamer, donc... Ah, c'était beau. Bon, ça l'était un peu moins. Ça, c'était un peu nul. Ok, donc, par où qu'il faut que je passe? Est-ce que c'est par là? Ouais, ok, c'est par là, mais alors je sais plus du tout. Je crois que j'étais connement allée avec le cristal d'âge, en fait. Hein. Ouais, je crois que j'avais fait ça. Merci. Je crois qu'en vrai, c'est pas du tout obligé de prendre le cristal d'âge, mais maintenant que je l'ai... il est fort possible que je stream rapidement. Quoi? Oui, Bretta, j'arrive. Courage. Bien sûr. En vrai, pourquoi j'étais morte sur ce tronçon la première fois? Je pense que... Mesdames et messieurs, vous venez d'assister là à la preuve que j'ai up mon skill entre le début du jeu et maintenant. Je pense qu'il faut le noter, car c'est pas toujours que c'est évident. Attendez, je vais essayer. Oh, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Avez-vous oublié qui je suis? Je m'en doutais. Tout le monde m'oublie toujours. Oh, qui êtes-vous? Votre visage, vous êtes tellement... Tellement... Oh, je suis désolée, je me suis perdue. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Vous êtes venue me sauver, moi, Bretta, la fille que tout le monde ignore? Je suis désolée, mais quand je regarde votre visage, je peux à peine. Je n'arrive tout simplement pas à croire que vous êtes venue jusqu'ici pour me sauver. Je n'aurais jamais pu penser que qui que ce soit... Je suis désolée, je veux dire, merci. Je veux dire, je ferais mieux de partir. Je veux dire, je ferais mieux de retourner en ville. Je ferais mieux de rentrer à la maison. Merci. Je sais pas du tout comment ça a sonné avec... je sais pas du tout quel effet ça a fait avec Voice Mode parce que je suis encore en train de tester les réglages, donc j'espère que ça passait. Bon bah, tout ça pour ça. Maintenant, il va falloir que je retourne à... Dirtmouth. Ça faisait l'elfe de Nailband un peu. C'était fait exprès, ouais. C'est un effet de voix un peu cute. Pff,
Ouais, on va repasser par là. Non mais je veux dire, est-ce que ça coupait ma voix? Tu sais, comme ça, les premières fois, quand j'avais fait l'effet cathédrale, et vous me disiez, ma voix, elle coupe. Parce que ça, c'est pas forcément évident à tester de mon côté, avec juste en faisant des enregistrements, quoi. Donc évidemment, quand il y a des merdouilles, c'est forcément en stream qu'elles apparaissent, sinon c'est pas drôle. Y avait quoi, là-bas? Il y a un truc où je peux toujours pas aller, parce que j'ai toujours pas le double saut. Je vais arriver à mon souvenir. Hein. Par contre, là, maintenant, je peux aller... Là où... Mais... Bon. Lui, il va vite me saouler si je fais rien. Donc, on avait dit qu'on remontait par ici, hein. Tum tum. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et il me semble que c'était par là. Il me semble. Non ? Je peux arriver par là, moi ? Non. Je veux juste retourner au banc d'abord. Parce que on sait jamais. Moi et l'acide, tout ça. Ça aussi, je sais pas si vous vous souvenez comment j'avais du mal avec ces champignons là qui rebondissaient. J'arrêtais pas de me vautrer, je tombais dans l'acide tout le temps. Bon, ça m'arrive encore de tomber dans l'acide, hein, on est d'accord. Ce genre de choses, hélas, n'a pas... Ça n'est pas terminé. Je suis désolée, mais ces trucs, ça me fait toujours les... Je pense toujours à un croisement entre Cthulhu et un coussin pétard, quoi. J'arrive pas à les prendre au sérieux. Oh, mais attendez. J'ai oublié un truc chez Willow. Ah ben non, je peux pas monter encore. Je peux pas encore monter. Toujours pas le double saut. Ah, bon. C'était pas du tout le programme, hein. J'avais prévu de passer du temps au Mont Cristal, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ces choses soient faites un jour. Et que je retombe pas dans Nid Profond, parce que là, j'ai pas envie de refaire tout le chemin. Pas quand même. Il y a des limites à tout. Ah bah oui, c'est vrai qu'il a respawn. Hein. Coussin péteur géant. J'aime beaucoup, beaucoup la musique des cavernes. Elle est bien pépouse, bien tranquille, bien sympa. Allez, le petit champi. Et on a dit qu'on allait par là, parce que, a priori, c'est bien au bout là-bas. Ouais, c'est bien au bout là-bas où il y a marqué Ennemi Profond. Trop contente. Donc maintenant, c'est là qu'il faut que je fasse un petit peu gaffe. Voilà, parce que la dernière fois, j'ai dérapé sur ce truc. Et j'ai gentiment atterri dans... dans l'acide. Et du coup, c'était très bête. Donc c'est dans la deuxième partie, il faudra que j'aille après les épines, ok. Bon c'est pas grave, ça je me le prends à chaque fois. Pas de surprise, rien de nouveau. Approche-toi, approche-toi mon petit, que je te latte. Viens là, j'ai besoin d'âme. Non,
Voilà. Il y a aussi un truc là-haut, mais je sais plus ce que c'est. Ah ouais, sans le truc, le champi-sport, je crois que je peux pas y aller. Voilà, si je me concentrais un petit peu au lieu de regarder ailleurs. Je vais crever en fait ici, je vous le sentais venir. Ok, donc c'est là qu'il faut que j'aille. En évitant de me prendre les pics. Enfin, les... Je suis un peu... Et... Bravo. Je m'en doutais en même temps, mais... Que j'étais un tout petit peu trop basse. Champisport, voilà, c'était ça que je voulais. Et alors là, vous le sentez que je vais... Ah non, même pas. Oh, coucou Choix de Design, comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que j'aurais pas pu faire ça contre le mur en fait? Vous la voyez, cette grosse feignasse du Crystal Dash là? Ouais, du coup, Choix de Design, désolé pour l'histoire de le truc sur YouTube, j'ai pas trouvé non plus en fait. Je suis pas sûre que ce soit possible, mais en même temps, j'ai tellement peu de connaissances encore dans le domaine, vu que... avec ma mini-chaîne, on va dire. Mais si jamais je trouve l'information un jour, je te ferai signe. Un jeu de téléchargé, ouais! C'était Crusader King 3, c'est ça? Bon, ben, maintenant, on va peut-être remonter à... Mon cristal? Stardew Valley! Ah bah oui, pardon. Forcément, Stardew Valley. Forcément. Évidemment. J'aurais dû le savoir. Tum-tudum. Ça va aussi avec mon écran qui marche parfaitement. Ouh, je suis en train de penser à autre chose. Ouais, ton bel écran de 24 pouces. C'est vrai que ça change. Hein. Avant j'avais un 22 et un 19. Et du coup, le 19, je l'ai remplacé par un 24. Et ah, c'est autre chose. Du coup, maintenant, c'est mon 22 qui fait tout petit à côté. J'ai mis un marqueur là-haut. Je sais pas pourquoi. Et je me rends compte que j'ai oublié une larve au Mont Cristal. Je suis en train de me dire, est-ce que c'était pas le truc où il me fallait le cristal d'âge justement? En vrai. Est-ce qu'il me fallait pas le cristal d'âge là-bas? Il y a un... Je crois que c'est une bêtise, genre un journal du voyageur, mais... Un indice toilette. Oula, attends. Deuxième jeu que je télécharge, je suis sûre que Choix Design peut deviner le jeu. Un indice toilette. Je vous laisse deviner, en effet. Ouais, je crois que c'était là-bas qu'il fallait... Ouais, c'est ça. Ah! Mais... C'est pas vrai. Pourrais pas crever, toi? J'étais au cas où tu sais même, j'ai fait autrement pour mon bilan YouTube, ouais. Là, j'étais vraiment pas sûre du tout, hein, de... Si c'était faisable. Ok, donc c'était là-bas que je voulais aller... Aïe, 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 c'était pas ce que je voulais faire, si.
Si, c'était ce que je voulais faire. Ok, super. Et tout ça pour... un journal d'un voyageur. Ouais. Mais en vrai, on est d'accord, c'était pas ça. Pourquoi j'avais mis un marqueur là-bas? Pourquoi j'avais mis un marqueur là-bas? Est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi j'ai mis un marqueur là-bas? J'ai le sentiment que ça devait être pour ce journal du voyageur, mais je suis pas sûre. Ouais, là c'est ouvert. Écoutez, a priori ça devait être ça, hein, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ah bon? Bon, je vais enfin aller chercher cette larve. Ils ont déjà repop ceux-là? Ah bah bravo! Bravo, bravo. Mais... bonjour, je suis une nouille. Je suis une grosse nouille. Voilà. Tout ça pour de l'âme. Donc, on disait station de la reine. Thief Simulator. Tu pètes toutes les toilettes sur ton passage, Chuba. Ah. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a aussi... qui c'est qui avait parlé d'un simulateur de Karcher? Et effectivement, j'ai vu ça sur Steam, là, au début des soldes, où vous pouvez simuler de nettoyer des voitures avec des jets sous oppression. Et le truc, c'est du genre... ah, je sais plus comment ça disait, mais quelque chose du style... que ça va vous relaxer de nettoyer des voitures à haute pression. Puis j'étais là, quoi? Enfin bon. Donc, mon cristal, allez chercher la larve. Et ensuite... donc la larve, là où, j'ai mis le marqueur. Bah écoutez, on va passer par là et on va redescendre au petit banc et après on ira à la butte. Ou je vais me faire buter. Ah ah, ah ah. Eh mais non. Ah ah. Voilà, on va d'abord aller piller chez Bretta. Bretta et ses magnifiques journaux. On va lire son journal. Le sang vert blanc. La jeune fille s'était réveillée dans l'obscurité. Confuse, elle tendit la main. Des ronces pointues piquaient de tous les côtés et de l'acide brûlant bouillonnait plus bas. Quel cauchemar avait pu l'amener en ces lieux? Subsistait-il encore une chance de survie? Se croyant condamnée, elle s'abandonna au désespoir jusqu'à ce qu'une lumière jaillisse au loin. Un point lumineux rougeoyant s'approchant rapidement. Il traversa majestueusement les épines, bondit au-dessus des eaux brûlantes et se dirigea vers la jeune fille. En s'approchant plus près, la forme se révéla. C'était un être magnifique avec des cornes pointues d'une blancheur éclatante. Il tendit ses bras vers la jeune fille, l'aidant à se relever d'une poignée ferme. C'est marrant, hein? En vrai, je voulais la récupérer juste pour récupérer un éclat de masque, mais... ah non, mais Bretta, c'est... ah oui, j'ai pas encore déverrouillé ça, bon ça attendra. Normalement j'ai des eurances et puis voilà quoi. Top top tolo, on va essayer de pas tomber. Et de pas se prendre les pointes. Oula, c'était vicieux ça. En le faisant du haut, c'est vicieux aussi, parce que c'est un coup vraiment à tomber bêtement. Donc j'avais récupéré le charme, ça c'était fait. Et je vais passer libérer une larve. J'aurais pu passer chez Papa Pipou, j'ai complètement zappé. C'est pas grave. Mais eux, ils leur portaient, mais c'est pas possible, hein, je vais y arriver, je vous jure.
C'est absolument hallucinant. J'arrive à éviter les pinces du Malek et j'arrive pas à éviter ces cochonneries de pioches de mineurs. Je sais pas si c'est vexant. C'est un petit peu comme les aspides, sauf que les aspides c'est pire parce que ceux-là vraiment tout le monde les déteste. Genre vraiment tout le monde les déteste. Et c'est compréhensible. Donc on est d'accord qu'il y avait une larve quelque part par là. Voilà. Mais... qu'est-ce qu'elles disent ? Maison ! Iti rentrée maison. Larve rentrée maison. Ça va, j'ai... ouais, c'est bon. J'étais en train de me dire, mais j'espère que j'ai pas laissé voice mode activé. Et là, j'ai l'air très bête. Donc, il faut que j'aille au banc. Parce que je me connais. Je me connais très très bien. Bon, dans un cas comme dans l'autre, c'est par là. Et ensuite, but cristallisé pour... bon, ça, je l'aurais parié. J'étais sûre que ça allait arriver. Pourquoi j'ai gaspillé de l'âme pour ça? C'est pas grave. Non, attendez, le banc, il est en bas. Ouais, bon. Dans un cas comme dans l'autre, je suis sur le bon chemin. Ouais, j'aurais dû garder un masque. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Ah ouais, Chuba qui s'inquiétait quand son téléchargement Steam était tout pourri, mais en fait, c'est juste les serveurs Steam en PLS avec les soldes. Rien de surprenant ici. Bon, maintenant vous allez voir mes skills de platforming où je vais me vautrer parce que c'est toujours comme ça. Ah, quoique. Wow! Wow! On va se charger un petit peu. Ah, il faut pas que j'oublie de dasher. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Puisqu'il y a un réservoir d'âme là-bas. Ouf, attends. J'autorise le message de Chouette. Je vais manger ce soir ces pizzas à plus tard. Eh bien, écoute, bon appétit, Chouette. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à les bouffer tout à l'heure, mais... Je vais essayer de finir ça quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit bon ici, ça aurait été cool, hein. Voilà, pizza. Il faudrait que je m'en fasse de nouveau à l'occasion de la pizza. Ok. Ah oui, il faut que je fasse gaffe là. J'aurais dû sauter avant, c'est pas grave. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais? De la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que je vais arriver à la voir d'ici? Je pense pas, hein. Non. Ah! Comment perdre deux masques pour rien? Je vais crever ici. Je vais crever ici. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai pris le banc? Ah, peut-être, peut-être pas. Peut-être pas, si tout va bien. Oh!
Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a par là en dessous. Mais... on va passer... je vais crever. Je crois qu'il fallait que j'aille à gauche. Merde, non. Je vais crever. Je vais crever. Je crois que c'était à gauche. Je suis pas sûre. Je crois que c'était par là. Ouais, c'était là. Allez, petite upgrade du sort. Mince, il y avait une larve. En vrai, vous savez quoi? Je crois que pour 140 balles... est-ce que j'arrive à remonter? Est-ce que je peux essayer de faire ça? On va faire ça autrement. Quoi là-dedans? Ok, on va essayer de faire ça. Ton Stardew Valley est en anglais. T'as trouvé... ah, t'as trouvé comment le remettre en français. Quoi, c'est en... j'ai pas ouvert ce passage tout à l'heure, pourquoi c'était fermé? Quoi? Mais pourquoi c'est nouveau fermé? J'ai... Il y a le réparateur de panneaux qui est venu, hein, avouez. Bien sûr. Bravo. Bon, on va éviter de passer par le mur, hein. Voilà, la petite larve. Et là, si je meurs, ben, je reviens pas parce que, voilà. Hein. c'est un peu la loose, ce platforming, mais... j'ai quand même réussi. Bon, là, par contre, c'est la loose. Donc, on va gentiment aller au repos éternel, hein. Voilà. J'ai pas envie de repartir en arrière, parce qu'en vrai, maintenant, ben, normalement, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et... j'ai des tombes à ouvrir ici, maintenant que j'y pense. Car maintenant, j'ai les ténèbres descendantes. Il est bon ce sort, il est bon. Enfin, tous les sorts sont bons. Et il me faut 800 balles. Maintenant, pour acheter la petite clé chez Sly. Hein. Et retourner à la cité pour upgrader mon autre sort. Combien j'ai d'essence? Est-ce que je suis à 200? 202. Yes, je peux aller chez Mémé. Je peux aller chez Mémé, la voyante. Bon, à 200, elle va pas me filer grand-chose. Elle va me filer une idole du roi ou une bêtise, mais... je vais réessayer l'effet cathédrale pour voir. Ah, Illumineur, vous êtes revenu. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur l'aiguillon des rêves. Ah, votre aiguillon des rêves renferme plus de 200 essences. Que vous ayez pu en récolter autant prouve votre talent. Avez-vous vu cette grande porte juste à l'extérieur? Ma tribu l'a fermée il y a longtemps et en a interdit son ouverture. Ah, mais pour autant que je sache, je suis la seule personne de ma tribu qui respire encore. Cela signifie que je n'ai pas besoin de culpabiliser à l'idée d'enfreindre un tabou. Comme preuve de la foi que je porte en vous, je vais ouvrir la porte. Voilà, la porte est ouverte. Vous pouvez aller dans la clairière qui se trouve plus loin. Là-bas, écoutez attentivement et vous pourrez entendre les paroles d'insectes depuis longtemps disparus. Ça va? Pas de soucis détectés? Super,
Super, merci beaucoup. Ouais. Ouais, parce que c'était... Il y a clairement, en fait, un conflit, parce que le voice mode applique des effets de noise gate et de réduction du bruit. Et OBS, j'avais des filtres également pour ça. Bon, bah écoutez... Donc j'ai un petit peu réduit les filtres sur OBS. Il y en a certains que j'ai enlevés, je les ai remplacés par ceux de voice mode, mais c'est vrai que... Oh, il y a beaucoup de dialogues ici. Je vais les refaire parce que j'aime bien. Les insectes au sein de cette clairière sont sous ma protection. Traitez-les avec respect et vous pourrez rester. Mais si vous levez votre aiguillon contre eux, vous aurez affaire à moi. Je peux vous assurer, voyageur, que mon aiguillon est affûté et que je ne retiendrai pas mes coups. En vrai, j'ai pas envie de les buter parce que déjà, un, ils rapportent que une essence et deux... Achetez mes cookies, ils sont si savoureux. Achetez mes cookies, une fois que je les aurai vendus, je pourrai rentrer à la maison. Voilà, ça me rappelle un perso que j'ai créé pour le jeu de rôle Changelin le rêve. Elle avait genre 7 ans. C'était une petite fille, ça se passait fin 18e siècle, c'était une petite fille d'une famille paysanne. Et en fait, il y avait des bandits qui avaient attaqué le village et puis les fermes alentours, et ils avaient tué ses parents, sa sœur, tout le monde. Et elle était la seule survivante, et dans sa tête, en fait, sa famille dormait. Et elle était partie sur les routes. Et en fait, c'était, quand je rentrerai chez moi, c'est là qu'ils se réveilleront, parce qu'elle n'avait pas intégré l'idée qu'ils étaient tous morts, quoi. Ça me fait penser à ça, quand j'aurais vendu mes cookies, je pourrais rentrer chez moi. Méfiez-vous de votre propre esprit, petit être. Les esprits malades complotent de mauvaises actions, et le mien est bien plus malade que la plupart des autres. Je pensais que cela me conduirait à ma fin, mais à la place, j'ai trouvé cette clairière, et avec elle, une sorte de sérénité. As-tu de sombres pensées, petit être? Dissimulé derrière un visage aussi impassible que le tien, je trouve cela difficile à dire. C'est vrai qu'on n'a pas le visage le plus expressif du monde. Hein. Y a pas un truc planqué là-bas? Y'a pas quelque chose au niveau de la cascade? Ah, c'est peut-être plus haut. C'était peut-être en haut. J'avais pour habitude d'aider les autres. On me les amenait malades et mourants. Ai-je fait une différence? Toute victoire contre la mort sera toujours éphémère. Quelle sombre pensée. N'ayez pas peur, petite créature. Il est vrai que jadis une rage violente me possédait, mais l'air paisible dans cet endroit semble la maintenir à distance. Mon apparence ne doit pas vous inquiéter. Ici, je suis véritablement en paix. Alors ça, en fait, tous les esprits, je crois que c'est des contributions du Kickstarter, si je me trompe pas. Hein. Que les gens pouvaient, il y avait un palier de dons où vous aviez un PNJ mineur, où vous pouviez nommer un PNJ dans le jeu. Il y avait un truc comme ça. Es-tu un guerrier, petit être? Un véritable guerrier est celui qui sait rester fort au milieu d'une tempête. Reste fort, petit guerrier. Ouais. J'étais autrefois obsédée par le pouvoir, bien que mon temps passé dans cette clairière m'ait gardée à l'abri de tels désirs. C'était une pure folie de désirer une chose si vicieuse. Rechercher le pouvoir est un objectif tellement vide. Il vaut mieux chercher d'autres choses. Ouais, comme du minerai pâle. Je commence à manquer de minerai pâle là pour upgrader mon aiguillon. Eh, mais c'est un cousin à Cornifère. Enfin, si Cornifère portait des crânes sur ses épaules, des insectes morts. Ok, j'ai rien dit. Nous gardons toujours en nous les souvenirs de nos erreurs commises. Ne laissez pas vos erreurs devenir un fardeau à la place. Servez-vous-en comme repère pour ne pas voyager là où vous ne voulez pas aller. Ces coquilles vides autour de mon cou, ce sont de précieux amis. Ils sont toujours là pour me tenir compagnie, et ils ont une bien meilleure conversation que le reste de ces créatures bizarres dans le coin. Je sais pas pour vous, mais moi je porte pas les crânes de mes amis autour du cou, hein. Enfin bref. Aimez-vous mes aiguillons, petit voyageur? Je n'en porte que 3 sur moi, beaucoup moins que ce que les légendes peuvent suggérer. Toujours est-il qu'ils sont tous plus pointus les uns que les autres, et qu'un seul me suffira pour te couper en deux. Les aiguillons ne sont-ils pas incroyables? Leur lame étincelante, si affûtée et mortelle. Vas dire-tu mes fabuleuses marques? Eh bien, c'est que j'appartiens à une espèce très distinguée.
Cependant, je n'ai pas rencontré d'autres comme moi depuis très longtemps. Vous ne semblez pas porter les marques distinctives de haut rang, bien que vous ne portiez pas non plus de marques de rang inférieur. Qu'est-ce que vous êtes? Dites-le-moi. Êtes-vous un être supérieur ou juste un autre simple petit ver? Alors, techniquement parlant... Si on est né de deux dieux, on est un dieu, c'est ça? On n'est pas juste un demi-dieu? Enfin, à la base, je suis né de deux êtres supérieurs, donc j'imagine que oui, je suis un être supérieur. Profitez-vous bien du temps que vous passez dans notre clairière, je vous offrirai bien quelques conseils, mais vu que vous avez réussi à parvenir jusqu'ici, cela prouve que vous êtes déjà très habile pour voyager à travers les périls de notre monde. Vous êtes très impressionnant pour une si petite chose. Je suis moi-même un genre de guerrier, mais je dois bien avouer que j'y réfléchirai à deux fois avant de lever mon aiguillon contre vous. C'est pas une sorte de libellule, hein? Vu les ailes et l'espèce de longue queue derrière, on dirait une libellule, hein? Ah, elle est jolie en tout cas. J'adore le design qu'ils ont réussi à faire avec des bêtes insectes, quoi. Et on voit, enfin... Il y a vraiment un côté diversité, bah comme dans les insectes en vrai, quoi. C'est pas juste toujours les mêmes mouches ou autre chose, quoi. N'ayez pas peur de ma forme pourrissante. Bien que mon corps mue et change, au fond, je suis toujours le même. Tous les problèmes dans la vie peuvent être résolus avec une force écrasante. Un mantra si simple avec lequel j'ai toujours vécu. Si vous n'étiez pas si maigre, je vous suggérerais de suivre mon exemple. Souvenez-vous, minuscule insecte, écrasez vos peurs, écrasez vos problèmes, écrasez vos ennemis. Le mec, il s'appelle Magnus Strong. Je pense... Je suis pas sûre que son nom transpire suffisamment son idée de force, je sais pas. Alors Chubav, je connais rien en insecte moi non plus. Mais je me doute bien que les insectes, en vrai, ils sont pas mal diversifiés, quoi. C'est pas juste... On n'a pas trois sortes d'insectes sur Terre. Enfin, dans un siècle, on aura trois sortes d'insectes sur Terre, mais bon... Ça, c'est notre faute. Ne me jugez pas par mon apparence. Bien que je sois de petite taille, mon âme est sombre. Et j'ai une forte tendance à devenir fou furieux en combat. Vous n'auriez pas le courage de m'affronter, de toute façon. Ah ouais? Ah! Camarades aventuriers, pars-tu dans le monde au dehors? Je partirai bien avec toi, mais cela fait si longtemps que je ne suis pas sortie. J'ai bien peur de perdre ma tête. Je crois que c'est déjà fait. J'envie tellement votre capacité à affronter ce monde sans crainte. Je devrais prendre exemple sur vous. Qui dit que j'affronte ce monde sans crainte? Je suis pétrie de crainte, mais simplement j'ai pas d'expression faciale pour les montrer. Faites attention! Je suis acide au toucher, et je ne voudrais pas vous brûler. C'est le moyen de défense de mon espèce, bien que ce soit souvent une nuisance pour rencontrer d'autres personnes. J'imagine que, ouais, sur Tinder, ça doit pas être pratique, hein. Je vous reverrai bientôt, elle a dit. Cela fait maintenant si longtemps. Je me demande où elle est partie. Allez déranger quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas celle que j'attends. Ah, un voyageur. J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits différents et fait tellement de choses, mais je pense que vous devez me surpasser de loin. Cela fait bien longtemps que j'ai cessé d'arpenter les cavernes d'Alonès. Je pense qu'elles doivent être bien plus dangereuses qu'à mon époque, mais vous me semblez parfaitement compétent. Je suis sûre que tout ira bien pour vous. Bonne chance, c'est un vaste monde là-bas. Vous devez trouver cela étrange de voir un papillon de nuit porter une arme. Nous sommes une espèce pacifique, bien que je ne sois pas le seul d'entre nous à avoir pris les armes. Un autre a bravé les frontières de ce monde, Marcotte, espérant découvrir une vérité oubliée depuis longtemps. Je me demande ce qu'il est devenu. Il est mort? C'est vrai que lui, c'est un phalène, hein. Donc les papillons de nuit, c'est ceux qui ont des feuilles sur la tête et de la fourrure autour du cou, ok. J'ai parcouru un long chemin pour venir jusqu'ici. Bien que ma coquille paraisse étrangère, en dessous, je ne suis rien de plus qu'un insecte comme toi. Es-tu un guerrier, toi aussi? Je vois ton aiguillon, mais aucune coquille ne semble protéger ton corps. Dans des terres aussi dangereuses que celle-ci, cela ne semble pas très judicieux. Le mec, il s'appelle Boss, quoi. Ah! J'avais oublié qu'il y a... Ah! Bon, bah écoutez, hein. Et je sais qu'il y a un autre endroit qui est planqué, mais...
On va en profiter pour faire tout ce qu'on peut, hein. C'est quoi la suite? C'est 300 essences, il me semble, hein. Ce qu'elle m'avait demandé. Ah non! Je peux récupérer lui. Donc eux, j'avais vu. Lui, j'avais vu aussi. Ouais, j'avais vu tout ça. Et là, là-bas, il y a quelque chose. Ok. Je vais me garder le truc rouge là-bas comme, comme point d'ancrage, on va dire. Pour me rappeler de, bah, d'y aller. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de planqué encore. Ah, faut que je monte. Tristesse. C'est vrai que c'est un petit peu... Je sais pas si c'est parfois un peu ennuyeux ou si c'est pépouze et que j'aime bien le côté pépouze des trucs de rêve. Ça par contre, maintenant que je l'ai raté, c'est un peu dommage. Il faut que je me retape tout le chemin. Tout le chemin. Tout le chemin. Écho, écho. Ah. Voilà, je crois que je les ai eus. Et bah on va vite voir ça. Hein. Donc, on avait dit faut que je remonte plus haut parce que j'en avais oublié plein. Est-ce que c'était par là? Ouais, je crois que c'est par là qu'il faut que je remonte. Ah. Ok. Et est-ce que j'en avais laissé de l'autre côté? Normalement, ça c'est bon. Ah là, il y a encore ça. Ouais, je... Ok. C'était pas entièrement ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je sais juste qu'il y a un endroit qui est planqué au niveau de la cascade. C'est là-haut. Ok. Bon, bah, on va tous retaper, hein. Je pense que c'est là. Voilà. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Ah, quoique, attendez. Ah, mais non, mais j'ai pas trouvé ce truc la première fois. Si? Idole du roi. Ok, c'est statue de Phalène, mais... Ok. Mais il me semblait qu'il y avait autre chose. Ah non, tout en haut, c'était la plante des rêves, d'accord. Bon bah alors c'est... Je vais encore faire un dernier passage quand même pour être sûr que j'ai rien loupé. Et puis après, je pense que... On va se barrer, quoi. Après, on va aller ouvrir le sarcophage. Il y a John Cena qui m'attend en bas, là. Bon. Non, je crois que c'est tout, hein. Ça, c'est juste l'arbre. Souvenir sacré. Âme honorée. Ouais. Je suis sûre que j'ai encore oublié des passages secrets dans les murs, des trucs comme ça, je suis sûre. Ah non, ok, bon. Bon, ben voilà. Donc, 236. La suite, il va me falloir un boss des rêves, hein, pour... Ou un autre... deux autres arbres, peut-être. Qu'est-ce que j'ai... Ça, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait l'arbre des rêves qui était là-haut? Est-ce que j'ai fait l'arbre des rêves qui était là-haut, je crois? Je suis pas sûre. Ah, là-bas, je vais pouvoir bientôt y aller. Tiens, maintenant que j'y pense. Eh, mais en fait, je peux. Y a Master Hugh qu'il faut pas que j'oublie. Ok. Bah, écoutez, je vais juste aller voir. J'arrive pas à me rappeler si j'ai fait la plante des rêves qui est au-dessus de... des routes oubliées. Il faut que j'aille voir Papa Pipou. Donc de toute façon, il faut que je passe par là-bas. Qui me rince un petit peu, là.
qui me file des subs. Et des bits. Et peut-être un minerai pâle, ce serait cool. Hein, un minerai pâle? Hein? Tu vas me donner un minerai pâle? Hein? Hein? Non? Pas me donner un minerai pâle? Est-ce qu'elle a fait la suite? Sauveur blanc dans les ténèbres. Des rêves angoissants tourmentaient la jeune fille. Son sauveur parti, englouti dans les profondeurs. Il ne lui restait que pour seule compagnie le vent froid gémissant à sa porte. Son cœur battait avec une peur soudaine. Puis tout à coup, un calme soudain. Pourquoi? Une présence. Une silhouette toute proche se tenant derrière elle. Elle n'osait pas regarder, n'osait pas bouger. Elle avait peur que le moindre mouvement ne brise ce sortilège de tranquillité. Car elle ne connaissait que trop bien la présence au bord de son lit. Elle savait que lui seul pouvait apporter un tel calme. Son sauveur blanc et maintenant protecteur se tenait debout aux côtés de son lit. Puissant. Parfait. Bretta. Bretta. J'ai rien d'autre à dire. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Moi, j'imagine bien en train de poster sur fanfiction.net ou AO3, enfin ce genre de site. Non, mais j'avais déjà ouvert, hein, on est d'accord. Je l'ai déjà fait, ça. Ouais, ok. C'est pas juste moi qui pensais des conneries. C'est... Je l'avais effectivement bien fait. Allez, les mouches! Maintenant, papa Pipou, qui va me rincer. Enfin, j'espère. Oui, oh, oh, oh. C'est quoi, un journal du voyageur? Oh! Un bout de réceptacle! Ah non, un bout de masque! Je vais pas dire non. Je vais carrément pas dire non. Ah, dis donc! Eh ben! C'est pas fini? Tu aimes pas la fanfiction, l'aiguillon de l'amour? Ah non, mais attends! Ça m'éclaterait trop, quoi. Oh, champ des larves, c'est déjà le champ des larves. J'ai déjà sauvé la moitié, non? Shadow Wonder, coucou. Ça va chez toi? Ça fait longtemps. Ouais, mais t'as pas encore des épreuves, toi, du coup? Ou tu as fini, là? Je sais que t'avais ton oral l'autre fois. Bah écoute, toi, ça va, je fais un petit stream improvisé. C'est lundi et mardi, d'accord. Bah écoute, en tout cas, bonne chance, par avance. Ben, du coup, je suis passée chez Sly. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Je pense que là, l'aiguille de masque, c'est encore un peu... j'ai pas le pognon, mais pour 900 balles, il va pouvoir me filer la clé. Je suis crevée, je révise. Ah bah, tu m'étonnes. Ah non, éclat de masque. Bah écoutez, on va se faire plaisir. Hein. Par contre, il faut que je pense à récolter encore 700 boules. Est-ce que je suis passée à la banque sur cette partie? Est-ce que j'ai du pognon à la banque? Pour acheter la clé? Je vais vite aller voir. Ah ouais. Bah ouais, c'est la dernière ligne droite et puis après... Après, tu seras tranquille. J'arrive plus à me souvenir ce que j'ai foutu à la banque. Je suis pas passée depuis des plombes. Comme je crève un petit peu moins souvent, bah forcément je repasse pas à cet endroit. La 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 la, je saute partout. Millibel, dites-moi que j'ai 700 balles chez Millibel, ce serait cool. Je suis déjà à cette aiguille. Quoi? Ah ouais? Ah bah ouais. Transaction. J'ai que dalle à la banque! Ah la loose! Ah la loose! Ouais, j'aurais peut-être dû quand même prendre la clé et aller upgrader le sort. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mon cristal, c'est bon,
La partie du haut, je reviendrai quand j'ai le double saut. La larve ici, j'ai récupéré. Celle qui est là, j'ai récupéré aussi. Et celle qui est ici, j'ai récupéré. La butte cristallisée, c'est fait. Là, j'ai fait la clairière aux esprits. J'ai oublié les tombes. J'avais dit que je voulais aller voir John Cena. Bah voilà. Comme ça, je pourrais passer chez Salubra après. Même si j'ai pas de pognon en vrai, mais pas grave, je ne veux pas le dire. Est-ce que ça marche vraiment le coup d'ouvrir l'inventaire pour tomber plus vite? Bonjour, je sais pas sauter. J'ai fait le palais blanc, moi, monsieur! Je sais sauter! Ouais, tu parles. Ah, purée, en plus. Le pire, c'est que j'ai mal à la gorge, je sais même pas pourquoi. Il faisait super bon aujourd'hui. En même temps, il est vrai que j'avais eu le vaccin, ça a peut-être pas aidé non plus. Donc là, va y avoir des merdouilles. Je suis pas arrivé à le frapper vers le bas, je suis tristesse. Ah voilà, c'était ce que je voulais faire. Donc faut que je fasse gaffe, il y a une. Ce n'est pas une chauve-souris, mais je vais y arriver un jour. Je crois que c'est là-haut, hein. Yeah! Quel skill, quel talent! Qu'est-ce qu'il y a encore ici? De quoi tomber, ok. Et il y en a encore un autre, hein, je l'entends chouiner. Je sais pas où il est, mais... Fini le pass of paille déjà, ensuite on verra. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse à l'occasion. Je suis où, là? Marf. Mais attendez... C'est l'ascenseur pour la cité, ça, non? Je l'ai pas... C'est l'autre! D'accord, c'est celui de l'autre côté. Je redécouvre le jeu, mais je vous assure, c'est génial en fait. C'est vraiment trop bien de se dire qu'on peut refaire des trucs comme ça et ne pas s'ennuyer. Bon, en vrai, j'ai pas envie de... Voilà. Tu vas doucement aller mourir. Et il y a une ouverture normalement quelque part. Normalement c'est là. Ok. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Je cherchais ça en fait. C'est incroyable de refaire un jeu et de retrouver des détails qui ont un sens du coup. Mais ouais, mais surtout qu'en plus, ce jeu, ma première game, je l'ai commencé fin mars. Donc c'est pas comme si je redécouvrais le jeu après 4 ans. C'est quand même encore assez proche. Et malgré tout, eh ben, y a des choses, y a certaines choses que j'arrive à bien planifier. Et d'autres, je redécouvre. Oh, petit saut. Quel endroit paisible. C'est de l'action que je veux, des combats de brutes et fatales, cette sérénité. Et d'un ennui. Bah, casse-toi. Casse-toi, Tiso. Pour 200 balles, je pense pas que j'aurai quelque chose à acheter chez elle, mais... Ça a le mérite d'exister. En fait, j'ai le 100% de Ori en 11h30 de jeu. Ah bah c'est cool, ça. Moi, j'avoue que Ori, j'ai pas vraiment continué, en fait. Je devrais. Je devrais, mais c'est vrai que là, je suis plus sur Hollow Knight, donc... Mais Ori, je sais pas si je vais le continuer en stream, en fait. Oui, je sais que je pourrais buter le sac à pognon. C'est vrai. Allez, frappe-moi. Bah vas-y, frappe-moi. Bon.
Ah, j'avais oublié ce détail. Ah, du trop tard. J'aurais peut-être dû lui balancer un sort. Tu l'as fini, hein. Tu es plus sur le net. Ah oui, dans Shadow Wonder l'avait fini, ouais. On dirait Chuba qui dit « Moi, je suis plus sur Stardew Valley. » c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà. Je suis trop petit. Je suis trop petit. Ok. Je me casse. Je me casse. C'était pas trop ce que je voulais faire. La la la. On va aller sur le banc. Hein? Du coup, pourquoi tu vas pas le faire en stream, Ori? Bah, j'ai pas forcément envie, en fait. Enfin, en tout cas, là en ce moment, j'ai pas envie de le streamer. Peut-être que ça changera, je ne sais pas. Mais je sais pas, je trouve le gameplay un peu... Je sais pas comment dire, c'est un petit peu mou. Je sais pas si je m'exprime bien. Y a une certaine inertie qui est un petit peu trop molle à mon goût. Mais après, c'est peut-être qu'il faut que je m'y habitue, hein, je sais pas. Où est-ce que je voulais aller, moi? C'était pas là? Si? Voilà. Je voulais juste ça. C'est pas aussi rapide que Hollow Knight. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Pourtant, Hollow Knight aussi, il y a une certaine inertie, mais elle est quand même plus nerveuse. Je sais pas. Après, c'est vrai, faut regarder qu'est-ce que j'ai streamé. Hollow Knight, Hades. Ah, ça s'accélère, ah, peut-être. Peut-être passer hors stream les parties... Heureusement qu'il reste là, lui. Hein. Je sais que là, derrière, il y a des trucs. Ah, mais attendez, c'est pas la pleureuse, là? Ah! Ah! Non! Elle est pas la pleureuse! Ah, le fail là! Tais-toi, malpoli! Ah, ces bruits! Oh, un pipou! Un pipou! J'ai trouvé un pipou! C'est bien! Pardon. Faut que j'arrête de couiner. En fait, Ori, c'est plus un jeu où il faut réfléchir plutôt qu'un jeu de combat. Ouais, peut-être que réfléchir en stream, c'est pas trop mon truc. Je sais pas. Hmm, 410, ah ouais, je suis finalement pas si loin que ça du... Ah non, la pleureuse, je crois que c'est là. Et je crois qu'il faut un... Ça, c'est la base. Ça aussi. Ça aussi. Dit-elle en tombant dans les pics, parce que why not? Sérieusement? Sérieusement, le jeu? Comment tu fais ça? Je ne sais pas, je sais pas, je suis attirée par les pics, en fait. Alors qu'en vrai, je voulais juste aller là, hein, mais bon. Mangeur d'âme. Yeah, yeah. Ok. Je vois pas du tout ce que je fais. Je voyais pas du tout ce que je faisais. Même en faisant exprès, tu auras du mal. Shadow Wonder, c'est un skill. C'est un art. Que dis-je? Il faut... un certain sens artistique pour savoir se vautrer et loser comme ça, de façon régulière. C'est magique. Ouais. La pleureuse, je crois que je peux pas encore y aller en vrai, mais c'est pas grave. En même temps, je suis pas sûre, hein. Je me trompe peut-être. Ah bah non, c'est la sortie, je suis bête. C'est quoi?
C'est quoi comme, comme emote hein? Power up, entropy wins, ok. Je ne sais pas comment ça se lit. Bon ben... On va soigner, on va reprendre de là, mais je passerai bien par la cité. Il me faut toujours 800 balles, hein. Enfin, 400 maintenant. Donc, bah, on va passer par là-bas. Où est-ce que je vais chez Salubra? Je sais pas. Je sais pas si je veux d'abord acheter des charmes. Ou... Parce que de toute façon, je peux pas acheter d'emplacement sans ça. Ou bien, est-ce que... est-ce que je fais autre chose? Ouais. Vous noterez que... Je suis pas encore prête pour le speedrun, hein, ça se voit, parce que nombre de fois où je merde cette carte. Bon bah... Au moins, elle est déjà débloquée le bout de carte là-bas, hein. Ah oui, alors, Shadow Wonder, histoire que tu rigoles. Tu verras que j'ai donc cette partie de la carte. Donc je t'explique, hier soir, j'étais à Dirtmouth, et je me disais, je vais aller au Sanctuaire de l'âme pour battre le Maître de l'âme. C'était le programme. Dans la foulée, je me suis dit, je vais m'arrêter à la station de la Reine, parce que j'avais en tête le charme Champisport, là, machin, et d'explorer encore un peu la zone là-bas. Le charme Champisport, je suis un peu crevée en route, parce que j'avais oublié que je n'avais pas encore le cristal d'âge. Mais du coup, en allant rechercher mon cadavre, j'ai débloqué l'accès là où il y a le prophète de mousse. Et j'étais là en train de revenir en me disant « Ah mais tiens, on n'est pas au-dessus de Nid Profond, il va falloir que je fasse attention !» Et à ce moment-là, le sol y craque. Je me suis retrouvée à Nid Profond, comme tu peux voir sur la carte. Donc dans la foulée, j'ai fait « Bon bah on va aller sauver Zote, et puis on va aller récupérer le pass au tramway. » Puis je suis repartie par là, puis j'ai pris le tram, et du coup je suis allée au bassin, j'ai débloqué la carte et le banc. Et puis j'ai voulu remonter par l'ascenseur, sauf que je me suis vautrée. Et je me suis dit, je vais prendre les pointes, on va reprendre le tram, on va aller aux frontières du royaume. Et du coup, ben, je suis remontée à la station du roi. Et à partir de là, je suis enfin allée à la cité des larmes. Il m'a fallu une heure, quoi. Mais c'est cool, j'avais jamais fait le chemin comme ça pour aller à la cité, pour faire le maître de l'âme. Donc c'était, ah tiens, c'est comme de jouer au jeu en premier fond. Comment c'est possible? T'as fait toute la map sauf l'objectif. Bah comment c'est possible? C'est tout simplement que, tu vois cet endroit là. Bah, le sol s'est pété sous mes pieds, et cette espèce de cheminée, il n'y a pas d'endroit où je pouvais... Il y a un endroit où tu peux te rattraper, mais je l'ai raté. Enfin, je crois que tu peux te rattraper. En tout cas, j'arrivais pas à remonter, j'avais pas le cristal d'âge pour traverser. Et puis, bah, dans la foulée, je suis descendue, et après, je suis allée au tram. Hein, voilà, tant qu'à faire, comme on peut le voir. Puis, je suis retournée à la source, puis après, j'ai pris le tram ici. J'aurais pu passer par chez les Mantes, c'est vrai, mais bon... Comme dit, j'étais à Nid Profond, j'avais la lanterne, je me suis dit, allez, on tente le tram. Puis ici, il y avait l'autre crétin que j'ai sauvé. Alors c'est marrant parce que cette partie-là, je la connaissais parce que j'ai déjà vu d'autres streamers la faire. Et l'endroit pour sauver Zote, il faut d'abord passer une pièce fermée où il y a les espèces de mobs là, qui raniment les cadavres. Et j'ai déjà vu des streamers être assez mal là-dedans parce que ils avaient tous les mobs qui leur tombaient dessus. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis mis sur une plateforme à gauche. Puis du coup, tous les mobs, ils grimpaient le long du mur à la queue leu-leu, donc j'étais là, sponk, ponk, ponk, ponk. Et puis c'était... Bon, en fait, c'est super facile, cet endroit. Comme quoi... Ouais, je me souviens de cette fourberie incroyable, exactement. C'est possible avec la carte Kiwi. Moi, c'est le pass... Ouais. Ah, c'est le pass Navigo que j'ai récupéré ici, Chuba, mais ouais. Mais tout est possible à la SNCF, tout est possible à Nid Profond. Je suis passée de 5 masques à 7, quoi. C'est quand même magique. Va mourir, toi. Alors, peut-être pas s'exploser sur les pointes. Ah, mais non! Mais casse-toi! Casse-toi, le gros machin, là. Oh, je sais où je peux trouver de la thune! Je sais où je peux trouver de la thunesse! Maintenant que j'y pense... Je crois pas que j'y suis encore allée.
Bah voilà, c'est parfait. Je peux descendre. D'accord. Il veut pas que je descende, ok. Ah si, c'est juste moi qui suis un peu nul. Voilà. Bah déjà là-haut, puissance de la connerie. Non mais c'est trop quoi. C'est je veux dire, c'est ces moments de pure magie quoi. Ça aussi c'est la puissance de la connerie, mais c'est pas grave. Ah, j'avais oublié que la cité des larmes, là c'est le quartier des riches. Mais va crever toi. Il sort d'où? Il sorti d'où lui? Pff. Non mais oh. Malpoli. Non, c'est juste une statue que j'ai dézinguée. Voilà. Ah non, ça c'était nul. J'ai voulu lui atterrir dessus, j'ai atterri à côté. Bravo. Mais non! Mon pognon! Mon pognon, il est parti! Oh là là! Oh, cette misère! Oh, j'y crois pas. Reviens, pognon, reviens! Je t'aime! Ah, celui-là, je peux pas encore l'avoir, je crois. C'est toujours pas là que je voulais aller. Mais ouais, Chuba, elle a perdu pognon. Quand ton pognon sur patte s'enfuit comme ça et il va dans l'eau. Et c'est juste tellement horrible. Ce pauvre pognon. Alors. Non, c'est pas là que je voulais... Ouais, c'est là. Mais je veux juste aller au banc avant de faire une bêtise. Parce que je me connais. Je sais ce qu'il y a là-haut. Et je sais que je suis fichue de crever. Je peux pas l'avoir d'ici, hein, je crois, le truc à thunes là. Techniquement, avec le charme des JO, je devrais arriver à le récupérer, mais... Enfin, si j'arrive à le péter, j'arrive à le récupérer. Je te laisse, il se fait faim. Il n'y a pas de problème, Chuba. Maintenant que vous me parlez de bouffe, moi aussi, je commence à avoir faim, là. Je savais qu'il y avait un truc à faire. Je le savais. Je savais. C'est tout ce qu'il y avait dedans? Il y avait genre 15 balles, 30 balles, hein. Non. Oh non, il y avait plus, hein. Le genre de truc que j'aurais pas pensé à faire sur ma première game. Hein. Ah, le charme pour ce soir, burger pour ma part. Mmh, miam miam. Je pourrais les buter eux, mais en vrai. Voilà. Donc, je sais plus quelle porte c'est par contre. Non, c'est pas ici. Emilitia, c'est pas ici non plus. Et de toute façon, j'ai pas encore ouvert le truc. Là-haut, c'est les bains. Ah oui, ça faut que je fasse gaffe par contre parce que... Donc là, c'est les bains. Normalement, ça doit être quelque part là-haut. Je crois que c'est ici. Yes! Le coin préféré des speedrunners. Quoi? Shadow Wonder, j'ai rien compris. Quoi? Je comprends rien à ton message, je suis désolée. Mais il est encore là, lui? Mais ça sort d'où?
Voilà, pognon! Du pognon! Du pognon! Plein de pognon! Ah bah dis donc! Oh, ça sac à PV ce truc! Oh. En vrai, il y a l'endroit où je pourrais aller sauver une larve, mais je vais pas y aller tout de suite. On va retourner à la station de Rouet! Non, eh oh, tu me lèches toi, tu me laisses. Tu me lèches. Lol. Je viens de percuter qu'il y a un passage là-haut, moi. Genre. Le correcteur qui donne des mots avant que j'écrive, donc je spam un bouton et ça écrit n'importe tout seul. Ah ouais. Ouais, mais je me suis demandé, est-ce que t'es sur ton téléphone et c'est un truc comme ça? Désolée, j'aime bien m'amuser avec la cloche. Bon ben, maintenant je peux aller acheter ma clé élégante. Ouais, c'est vrai, j'arrive pas à décider, est-ce que c'est bien de savoir où on va dans le jeu ou pas? Parce que bon, on est d'accord, il y a quand même des trucs, je sais maintenant où les trouver, quoi. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il me reste quoi, 300 balles? Bon, je vais compléter la collection de Pokémon. Il t'entend, tu sais, le correcteur, il m'entend. Il a qu'à m'entendre d'abord, ça m'est égal. Bon, moi j'ai complété là aussi ma collection de marqueurs et de trames. Ok. Bon, je veux pas dire, mais les épingles pour les tramways, c'est un peu débile parce que en même temps, on voit les tunnels quoi. C'est vraiment le truc qui sert à rien quoi. Et maintenant, je peux aller utiliser la clé. C'est bien la clé que j'ai achetée, hein. J'ai pas acheté autre chose. Ça aussi, il faudra que je m'en serve à l'occasion. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ah, le coléoptère. J'ai oublié comment accéder à la cave de Sly, tu peux me rappeler? Alors, je suis pas entièrement sûre, mais je crois qu'il faut que t'aies rencontré les 3 mètres d'aiguillon. Oh, bah tiens, c'est une idée, ça. Je vais aller aux falaises. Enfin, d'abord, je vais faire ça, mais... C'est vrai que j'ai pas fait les mètres d'aiguillon, que je pourrais y aller pour avoir les techniques. Pour être une bonne chose. Bon, j'ai juste essayé de pas me... Ouais. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir tout acheté chez lui. Mais ouais, à mon avis, je suis pas entièrement sûre, mais à mon avis, ça doit être le fait d'avoir débloqué les 3 mètres d'aiguillon. Bah ça me sert à rien, c'est-à-dire que ce serait bien que j'apprenne à les utiliser. Moi je voudrais que ça me serve à quelque chose. Je le voudrais bien, justement. Bon, ça sent la prudence, je sais. Bien sûr, il est en haut. Tu vas manger à plus. Eh ben, bon manger, bon burger. Moi, je pense que je vais faire ça, puis après, je vais doucement aller bouffer aussi, en vrai, parce que je commence à avoir faim. Yeah! J'insère la clé élégante, et maintenant, je vais aller me faire maraver. Ah, zut. Ils sont embêtants, hein, les mistakes là, qui apparaissent. Zut. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Pas ce que je voulais faire non plus, mais...
Mais c'est pas vrai, je vais pas me faire crever là-dessus quand même. Non, il me reste un masque. À la baise. À la baise. Ah zut. Dommage, dommage. Ah, j'ai pas fait attention là, c'était mal joué. C'est pas grave, on y retourne. Attendez. En même temps. Tant qu'à faire. On va tenter ça comme ça, hein. Bon, je sais qu'il est embêtant avec les comment ça s'appelle, les folies, là, les machins qui montent. Allez, Batman. Où que tu es. Ouf. Non ! Mais quelle nouille ! Mais c'est pas vrai. Je suis quand même une grosse débile, hein. Je vais vraiment me refaire crever, hein. Si je fais pas... Bon, évidemment, si je me gratte la gueule au moment... Non, ouais, je vais me refaire crever là-dessus. Bah voilà. Je fais pas attention, hein, c'est terrible. Je pense qu'en vrai, faut juste que j'arrête de ratcher et puis je me concentre sur ce combat une bonne fois pour toutes, là. Qui est pas difficile. On est d'accord qu'il est pas difficile. Il est juste un peu embêtant. Mais je veux mon upgrade du sort. Je vais récupérer un peu d'âme. Et on en reparle. Hein. Où est-ce qu'il y a des merdouilles que je peux tuer? Où est-ce qu'il y a des trucs que je peux buter là pour avoir un petit peu de stock? Au sanctuaire peut-être tout bêtement? Ah bah voilà, ouais, on va passer au sanctuaire. Hein. Il doit y avoir un ou deux réservoirs d'âme là que je peux prendre tranquillou. Ah, cette musique! Comme elle est bien, voilà. Toi, tu feras l'affaire. Et puis toi, tu feras l'affaire aussi. Ta-ta-dam! On va juste éviter de mourir bêtement sur des pointes. Ouais, faut que je fasse un petit peu, que j'optimise un peu mieux l'utilisation des ténèbres descendantes. Hein. Ah oui, parce que c'est deux coups en fait. Pff, alors ça, c'était de la merde. Ok. Mais non! J'oublie que c'est deux coups à chaque fois pour eux. Non mais c'est pas vrai, hein. Et lui, j'ai pas arrivé à me soigner, hein. J'ai pas arrivé à me soigner sur lui, hein. Ah! Ah bah ça va! Alors là par contre, ça aurait été nul de crever sur une de ces bêtises. Ok, ah bah ça me va mieux comme ça, voilà. C'est un petit peu plus...
Une silhouette connectée à une sorte de machine. Avancer et l'examiner de plus près. Oui. Et là, on se dit, ah, c'est un boss. Mais non, c'est une chose bien. Pour une fois, c'est une chose bien. Ah, l'âme d'ombre. Voilà, donc en fait, maintenant, il me reste plus qu'à upgrader le dernier sort. Et oui, il me reste ça et plus le dash d'ombre. Et ce sera cool. Et j'ai déjà oublié ce que j'avais dit que je ferais ensuite. Pfff. Alors ça, c'est du réservoir d'âme tout naze. Franchement, autant rien me donner à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Soit passer chez Salubra. C'est, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais, moi? J'ai vraiment un vieux blanc. J'ai une larve à aller fourguer au papa. Je vais repasser chez Papa Pipou pour la dernière larve. Et je crois qu'après, en fait, je vais arrêter maintenant que j'y pense. Parce que je vais aller bouffer, moi aussi. Je suis presque à 2h30 de live, donc c'est pas mal. Puis comme ça, demain, Panthéon. Ouais, allez, je vais aller... Voilà. Merci d'aller t'exploser sur les pointes. C'était pas le plan, mais... C'était pas le plan. Merci de m'avoir interrompu dans mon soin, espèce de créta. Espèce d'aspide. Mais où est-ce que je vais, moi? Il faut que je monte, faut pas que je descende. Il faut que je monte. Il faudra... Rappelez-moi, je remette la boussole parce que je suis perturbée quand j'ai pas de boussole. Genre, je suis perturbée grave, quoi. mes géos reviennent pas tout seuls. Ah ouais, non, mais ça c'est absolument inadmissible. Il faut que mes géos y reviennent, sinon ça va pas le faire. Donc, on a dit... Je vais reprendre mes bonnes habitudes quand même, parce que là j'ai encore besoin de pognon dans le jeu. 220, qu'est-ce que je peux acheter avec 220 balles? Ah oui, non, j'avais dit que je voulais aller aux falaises. Voilà, je me rappelle là. Mais je vais garder ça pour la prochaine fois. On ira aux falaises voir Mato. Puis après on pourra aller voir Sheo, puis après Oro, tranquille. Et essayer d'apprendre à utiliser ces techniques d'aiguillon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais voir Papa Pipou. Papa Pipou. Enfin ça y est, je commence à débloquer là, donc ouais. Je commence à débloquer sec. On va aller chez Papa Chenille et puis après je vais me forcer à m'arrêter parce que avant de lui raconter trop de conneries à l'appel. Oh oh oh. France. J'avais l'espoir que ce serait quelque chose de bien, mais en fait non. Parce qu'en vrai, même quelqu'un d'aussi nul que moi niveau skill, bah j'utilise pas Gigi tant que ça. Hein. Je l'ai même pas ouverte ici. C'est... Je le ferai, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, autant faire ça avec les clés, mais... C'est pas ma priorité. Ouais. Bah, rappelez-moi la prochaine fois que j'aille aux falaises, du coup. Bah, ouais. Bon, bah, moi, je pense que je vais m'arrêter tout doucement ici. Est-ce que je fais un raid? Je vais voir. Je vais voir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait du Hollow Knight, là? Chez qui je peux faire un raid? Je vais regarder. Alors... Parce que à cette heure-là, il y a tout le monde qui bouffe. Ah bah j'ai Petit Bisou qui va faire du Hollow Knight. Ah bah c'est parfait, tiens. Pour passer chez Petit Bisou. Elle va être contente. Ouais. Allez, je vais vous envoyer chez Petit Bisou. Elle était passée tout en début de stream, elle était au boulot. Donc elle ne pouvait pas nous dire bonjour. Alors je ne sais plus si c'est un chat follower seulement chez elle, je vous avoue, je sais plus du tout.
Si c'est pas le cas, ben n'hésitez pas à dire bonjour. Si jamais c'est le cas, ben bon, tant pis, vous n'êtes pas non plus obligé de follow si vraiment vous n'avez pas envie. Hein. C'est... Ben, alors, elle fait du Hollow Knight, je sais. Elle l'avait fait sur Switch quand il était sorti, je crois, et là elle le refait avec les DLC. Donc, ben on va aller chez Poti Bisou. Et puis. Ah, Wesbin, ouais, je suis désolée, j'allais justement terminer par un petit raid. Parce que j'ai pas encore mangé, et puis là je commence vraiment à avoir la dalle. Mais par contre, je stream demain matin. Ça, c'était du stream complètement improvisé. J'avais décidé, genre, 10 minutes avant le stream, je savais pas que j'allais streamer, c'est dire. Donc ouais, c'était vraiment de l'impro total. Mais ouais. Bah écoute, merci à toi. Il y avait Shadow Wonder et Chuba qui étaient là, qui sont allés bouffer aussi. Chouette qui est allé manger aussi, parce que forcément, vu l'heure, voilà. Bah écoute, en tout cas, n'hésite pas à rester pour le raid. Ah ouais, d'accord, c'est réservé le chat est pour les followers. Ok, bon. Vous n'avez pas envie de dire de follow exprès pour dire bonjour, hein, c'est pas grave. Ouais, bah moi je vais aller manger aussi, je sais pas encore quoi, mais au pire, j'ai des sandwichs avec du concombre que je peux me faire et voilà. Bon, bah en tout cas, Wesbin, merci d'être venu. Je suis désolée que t'arrives vraiment juste à la fin, c'est un peu dommage pour toi du coup. Si jamais t'es dispo demain matin, bah à 10h comme tous les dimanches, hein, je stream. C'est bon le concombre, ouais, c'est trop bien. Surtout en été là, avec un truc style petit fromage à tartiner genre Saint-Maurès, ça nourrit. En même temps, c'est suffisamment léger pour l'été, donc c'est très bien quoi. Voilà, voilà. Ah bah écoute, moi je vais lancer le raid, et puis ben peut-être à demain, peut-être à un autre jour. En tout cas, ben, bonne soirée à toi, et puis on va lancer le raid. Allez, bye bye.